jours. Hormis Laurent Fabius, le ministre français des Affaires étrangères, qui nous a appris qu'il lui a rendu visite à la clinique d'Alembert, aucune source officielle algérienne ni française ne nous a appris que Bouteflika a été hospitalisé. Aucune source ne nous a appris qu'il a quitté, officiel j'entends, ne nous a appris qu'il a quitté la clinique où il se trouvait. Pour on ne sait quelle raison. On ne sait pas pourquoi il est dans cette clinique. S'il a été hospitalisé en état d'urgence, une simple visite de routine, on ne sait pas. Aucune source ne nous a appris où il a été emmené après être sorti de l'hôpital, de la clinique. De nombreux journaux algériens parlent de silence de la présidence, d'autres de mutisme de la même présidence, et d'autres enfin de ratage dans la communication. Des titres somme toute anodins, qui n'accrochent pas vraiment, qui ne rendent pas la gravité du sujet. Des titres à peine audibles, presque rassurants, comme si tous les médias étaient animés de la même intention de participer à l'anesthésie générale, à entretenir l'indifférence de l'opinion publique nationale pour tout ce qui la concerne en premier chef, au premier chef. Mais s'il n'y avait que ces journaux et le tiède traitement qu'ils ont réservé à cette hospitalisation, puis à la disparition de Bouteflika, puisque personne ne sait où il est, s'il n'y avait que ça, le plus choquant, mais qui est significatif à plus d'un titre, est l'attitude des nombreuses chaînes de télévision. Elles ne font pas qu'occulter l'hospitalisation, puis la disparition du chef de l'État, mais elles procèdent délibérément à une propagande d'un autre âge. Après avoir cherché à tromper ouvertement l'opinion et affirmé que le président n'avait pas quitté Alger, après nous avoir même fait part de ses activités supposées, comme celle par exemple d'avoir envoyé un message de félicitations au président palestinien, alors que Bouteflika se trouvait bel et bien hospitalisé en France. Les mêmes télés se déchaînent maintenant contre les médias français qui ont osé briser la chape de plomb qui pèse sur cette histoire de santé du président Bouteflika et sur les tiraillements qui agitent désormais le régime. Le plus extraordinaire est que tous les médias, les rares médias, comme El Magharibia par exemple, qui traitent, ou qui tentent en tout cas, tant bien que mal, de traiter le sujet, de briser le blackout et d'informer l'opinion publique de ce qui se passe, ne sont pas loin d'être taxés de milieux troubles, manipulés par une main étrangère qui tente de semer la discorde et la zizanie dans le pays. C'est le monde à l'envers. Ce sont ceux qui sont complices avec la mafia qui trompe tout un peuple sur l'état de santé du chef de l'État, chef de l'État qui est pris en otage par on sait qui, par des gens qui entretiennent des relations très troubles avec une puissance étrangère, pour continuer d'imposer à la tête du peuple algérien un homme malade qui ne sert plus que de façade à cette même mafiocratie. Ce sont ces mêmes gens qui accusent ceux qui font leur travail de journaliste de milieu au service de forces étrangères. Le monde à l'envers. En tous les cas, aujourd'hui, maintenant, personne ne sait où se trouve le président Bouteflika. Et la rumeur enfle. Les gens se disent que s'il était un tant soit peu présentable, le régime l'aurait tout de suite montré à la télé, ne serait-ce que pour quelques secondes, pour mettre fin aux informations très alarmantes qui circulent. Nous ne savons pas s'il est sorti de la clinique grenobloise. Nous ne savons qu'il n'est sorti de cette clinique que par la presse française, rappelons-le. Aucun communiqué officiel, ni des autorités françaises, ni algériennes, ne l'a confirmé. Nous avons juste vu une ambulance accompagnée de voitures et de motos de police prendre une destination inconnue. On ne sait pas
s'il est encore en France, s'il est rentré en Algérie, s'il a été évacué vers un autre pays, la Suisse par exemple. On ne sait rien. Et ainsi, d'hospitalisation en disparition, d'apparition fugace en montage truqué d'images, les Algériens ne savent plus rien de ce qui se trame en haut lieu, qui les dirige vraiment, qui signe les décrets présidentiels et que sont ces luttes au sommet du régime dont la presse étrangère nous parle, sans plus de précision. Aujourd'hui, Le Monde. En Algérie, la bataille de l'après-Bouteflika a commencé. Al-Watan, état de santé de Bouteflika, le grand ratage de la communication officielle. Institut Regard, les mensonges mécaniques comme stratégie politique. Avec nous, Zohair Ruiz, porte-parole de Gilles Jadid en France, et Samir Balatesh, plus connu sous le pseudonyme de Chicha, activiste et opposant politique. Monsieur Zohair Ruiz, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Merci. Alors, selon vous, où est Bouteflika? Où est-il? Vous l'avez bien exposé dans ce préambule, c'est que personne ne le sait. C'est une séquence supplémentaire de la disparition et de la réapparition du président. Nous sommes dans un feuilleton interminable qui, dont certains pensent qu'il tient en haleine le pays, mais en réalité, enfin, il n'en est rien en réalité, puisque des Algériens ont bien compris depuis bien longtemps, bien avant l'élection présidentielle, que le président était malade, qu'il n'avait plus ses capacités intellectuelles, physiques pour diriger le pays et que le pays est entre les mains de forces occultes qui le dirigent, qui ont organisé l'élection présidentielle, qui ont présenté son dossier à l'élection présidentielle et qui continuent à diriger le pays et pour une finalité qui est bien connue de tous, c'est la répartition, la distribution de la manne pétrolière. Et avec les événements des derniers jours, c'est-à-dire la chute du prix du pétrole, nous allons vers la divulgation de la réalité de ces personnes qui dirigent le pays, puisque nous arrivons finalement, on va arriver finalement à cette réalité qui va montrer que le pays ne repose sur plus rien du tout, plus aucune institution légale, qu'il n'y a plus les moyens financiers, il n'y a plus la manne financière à distribuer à la population, et que ces gens-là vont finir par plier bagages et partir et laisser le pays dans un état de décrépitude, de délabrement, et il l'expose de jour en jour, il l'expose à des situations difficiles, à une situation explosive. Voilà, c'est la réalité qui va se présenter à nous. Maintenant, le président, d'aucuns disent qu'il a été intégré dans une clinique, il est sorti, il est rentré, enfin, peu importe, finalement. Ce qui compte, c'est ce qui se passe en Algérie. C'est le plus important et ce n'est plus finalement de savoir s'il est encore dans cette clinique, s'il en est sorti. Nous l'apprenons comme vous, hein, vous avez fait état de ce que dit la presse, vous avez fait état de ce qu'a déclaré monsieur Fabius, mais il n'y a rien de plus, il n'y a rien de mieux, ce sont des informations à la volée. Qui ne sont pas officielles, donc je ne saurais en dire plus ni en savoir plus sur ce sujet-là. Moi j'ai essayé de chercher si je pouvais trouver un cas similaire comme ça qui s'est produit dans l'histoire. Est-ce que vous avez un exemple ou alors sommes-nous en train de donner au monde l'exemple d'un cas jamais produit, qui s'est jamais produit? Un chef de l'État absent comme ça de cette façon. Je ne suis pas sûr qu'il en existe. Je crois que nous produisons effectivement un exemple je ne sais pas comment on peut. Un exemple hallucinant. Un président qui ne fait pas sa campagne électorale, visiblement malade, tout le monde l'a remarqué, à tel point qu'ils sont obligés de trafiquer, de faire des montages photos pour nous montrer qu'il reçoit des gens à peu près normalement. L'article 88 qui n'a pas été instrumenté parce qu'ils ont mis M. Delcy, qui est dès l'heure à la tête du Conseil constitutionnel pour ne pas empêcher le complot de se produire. Ensuite, bon, il le passe, il est élu à un taux de Corée du Nord.
Quelqu'un m'a dit Corée Dinar. La Corée Dinar. Et puis, le bonhomme est malade, on nous dit, non, 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 il n'est pas malade, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous êtes des ennemis de l'Algérie, vous voulez semer la discorde. Maintenant, il vient dans un hôpital français, la presse française nous l'apprend, la clinique est encerclée par des journalistes et par des CRS, la télé algérienne dit, non, 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 il est là, il vient de faire un message au président palestinien, etc. Puis il sort, on nous dit, il est rentré à Alger. Personne ne sait, on ne nous le montre pas. C'est incroyable. Et pendant tout ce temps, la classe politique algérienne, où est-ce qu'elle en est, y compris votre propre parti, y compris la coordination dans laquelle vous êtes? Ça procède toujours du même mépris, en réalité, qui est affiché à la population. C'est-à-dire qu'on fait élire effectivement un président complètement malade, qui est hors du jeu. Donc ça procède du même mépris, et puis on en arrive à la situation d'aujourd'hui. Maintenant, concernant la coordination nationale, la CNLTD, le Gil Jadid, le parti Gil Jadid qui en est mon fondateur, c'est ce que nous disons depuis le début, c'est-à-dire bien avant l'élection présidentielle, c'est que ce bonhomme est malade, il n'est pas éligible à cette élection présidentielle, et bien avant l'élection présidentielle, nous avions demandé l'application de l'article 88 pour sa destitution, pour des raisons de santé, c'est-à-dire qu'il n'est pas en capacité d'eux, et nous en sommes encore là, c'est-à-dire que au-delà de ça, ils l'ont fait élire, et puis on savait parfaitement que une fois élu, il allait s'occuper de sa santé et non pas du pays, et que ça allait être d'autres personnes qui n'ont pas la légitimité, qui n'ont aucune légitimité ni juridique ni populaire pour exercer le pouvoir, et pourtant c'est eux qui le font aujourd'hui et ils continuent à le faire. Donc nous interpellons de nouveau pour l'application, nous demandons l'application de l'article 88. Il y a des éléments juridiques qui existent dans la Constitution, il faut les appliquer, mais vous l'avez rappelé, comment peut-on le faire lorsque les mêmes qui ont fait élire le président Bouteflika, les mêmes ont nommé le gouvernement, donc dedans le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre, et même le président du Conseil constitutionnel. Donc évidemment, cette clique-là ne va pas se faire harakiri et ne va pas aller mettre en œuvre l'article 88. Et il reste quoi? Il reste à alerter la population davantage, à mettre cette réalité devant la population pour que les choses soient sues, soient bien comprises et que les uns et les autres puissent soutenir, la population puisse soutenir. Restez avec nous, Zohair. La CNLTD qui demande, en tout cas qui travaille sur une transition démocratique. Restez avec nous, Zohair Ruiz. Samir Bellatesh, Samir, merci d'être avec nous. Samir. À ton invité et aux téléspectateurs. Merci, merci. Alors Samir, j'ai vu sur ta page Facebook que tu alimentes beaucoup cette rumeur qu'on nous reproche. On nous reproche d'alimenter la rumeur d'être la main de l'étranger. Dis-moi, s'il te plaît, tu arrives à digérer ce cauchemar collectif, cette hallucination collective d'un chef de l'État dont on ne sait rien, dont on sait seulement que ce n'est pas lui qui signe les décrets de nomination, ce n'est pas lui qui distribue la rente, que c'est juste une façade, qu'il est pris en otage, comme tout le pays d'ailleurs. Mais sinon, est-ce que tu sais quelque chose? Est-ce que tu sais où il est? Où il se trouve? Pourquoi il a été admis dans cette clinique? Non, absolument pas. Je suis un peu comme tout le monde, y compris un peu comme ceux qui... c'est leur travail, j'allais dire, les journalistes et tout, qui sont supposés avoir l'information. Ils ne l'ont pas, donc moi aussi, je suis un peu comme tout le monde. Je suis complètement... on manque d'informations à propos du président de la République. Non, j'arrive pas à digérer ça, c'est évident. Moi, je suis un Algérien comme tout le monde, j'essaie de suivre ce qui se passe. Et comme tout le monde, j'hallucine. Un peu aussi comme tout le monde, me semble-t-il, c'est-à-dire le sort du...
le sort du président lui-même, moi je pense qu'il n'intéresse pas trop les Algériens. Parce qu'en fait, je pense que moi je suis un peu comme tous les Algériens, ou là, comme beaucoup d'Algériens qui croient que c'est-à-dire l'enjeu il est ailleurs, que Niram Hada, que ce régime, le régime algérien, en fait, avec ou sans Bouteflika, c'est exactement la même chose, que ça soit Bouteflika 1 ou 2, que ça soit quelqu'un d'autre qu'ils auraient installé suite à un consensus entre eux, etc. Le problème des Algériens, il reste le même. Le problème du régime algérien, il reste le même. Ce régime est illégitime pour des raisons que tout le monde connaît. Et du coup, voilà, c'est-à-dire les gens, moi-même compris, on se dit, blé. Qu'est-ce que ça veut dire? On pleure le sort de notre pays qui se trouve dans une situation très mal du point de vue politique. Et je pense aussi, si je peux me permettre vite fait cette idée, merci, je pense que ceci est symbolique de l'état de délabrement dans lequel est le régime algérien. Ils ont atteint, c'est ce qui fait qu'on hallucine, c'est ce qui fait qu'on s'arrache les cheveux. En fait, ce régime, il a atteint ses limites, il a dépassé la date de péremption, il a dépassé toutes les possibilités imaginable, etc. Il n'arrive plus à se renouveler, etc. Ça donne ce spectacle. Un spectacle mais Samir, malheureux. Samir, le problème, du moins tel que je le ressens, moi, ça veut dire, c'est vrai que c'est comme tu viens de le dire, de toute façon c'est du pareil au même, ils auraient mis quelqu'un d'autre, c'est toujours eux qui gouvernent d'une façon ou d'une autre, des officiers, des clans qui n'apparaissent pas publiquement. Mais le problème, c'est que cette fois-ci, on ne sait même pas qui. Ce qu'on sait avec certitude, c'est que le président Bouteflika est complètement déconnecté. Il est fort possible qu'il ne sache même plus son propre nom. Ça veut dire, et ça se confirme de plus en plus. Ce que nous disions à un certain moment, les gens nous disaient, oh, vous exagérez, bon, il a des difficultés d'élocution, comme vient de le dire Fabius, mais ses facultés intellectuelles sont... Mais là, on se rend compte que réellement, ce monsieur n'est plus qu'un corps malade, sans aucune capacité, ni faculté mentale, ni physique, ni rien. Mais le problème, d'abord, on ne sait pas qui signe à sa place. On ne sait pas si c'est une puissance étrangère, si c'est son frère, si c'est un groupe de généraux, si c'est les nouveaux riches qui sont, paraît-il, entrés dans le premier cercle. Et le malheur, c'est que non seulement les journalistes ne sont plus impliqués, mais aussi les partis politiques, les citoyens, les institutions, et grande question, grand dilemme, l'armée qui ne dit mot, alors que jamais depuis l'indépendance, et Dieu sait que ce régime, il n'en est pas à sa première absurdité, mais jamais on a atteint de tels abysses. C'est incroyable. Je comprends pas comment les gens ne réagissent pas. Ce sont des signaux, des alertes rouges qui sont en train de clignoter fort, toujours plus fort. L'alarme elle sonne depuis très longtemps. Et ne pas s'étonner si ça crache à n'importe quel moment, et ça dure déjà depuis trop longtemps, c'est ce qui fait peur, effectivement. Sinon, je pense que à propos de la classe politique, parce que c'est de son rôle, tout le monde le sait là aussi, que la classe politique algérienne n'en est pas une réellement. Je porte pas l'anathème sur tous les militants, etc. C'est pas ça le sujet. C'est juste pour dire que la scène politique algérienne, elle est ce qu'elle est. C'est-à-dire, elle a été cassée, coupée du peuple, complètement infiltrée. D'autres ont été envoyés dans les poubelles de l'histoire, et j'en passe des meilleurs. Et c'est ce qui fait que cette classe politique, quand on dit la classe politique, elle devrait réagir. Quelle classe politique devrait réagir? Moi, ce que je pense que nous tous, en tant que citoyens, quelle que soit notre place, on devrait taper du poing sur la table
pour que ça change. Et que ça change réellement, pas de changer, encore une fois, de nom de président, de forme, etc. Il y a un sérieux problème de fond, fondamental en fait. Et tant qu'on n'aura pas réglé le problème fondamental, on aura à gérer ce genre de choses. Même si demain, en fait, on a vu depuis quelques jours, à chaque fois qu'il y a une sortie médiatique du président malade, ça s'accompagne de certains mouvements chez certaines personnalités politiques et on nous ressort la course à l'après Bouteflika est en cours, etc., etc. Mais qu'est-ce que ça change, la course à l'après Bouteflika, si après on a quelqu'un qui a été mis en place par les mêmes, en fait, les mêmes qui dirigent l'Algérie. Derrière les rideaux, on ne connaît ni leur nom, ni leur rôle, on ne connaît pas l'organigramme qu'il y a derrière. Tout le monde sait, mais on a un organigramme visible, celui qu'on voit, c'est le Bouteflika qui est en train de souffrir le martyr alors qu'il est encore président, il est très malade, etc. On a des ministres, on a un premier ministre, etc., etc. Ça, c'est l'organigramme visible. Mais on sait que le vrai organigramme qui dirige l'Algérie, il est derrière. Et on ne le connaît pas. On n'est pas en train de le débattre parce qu'au fond, c'est celui-là qu'il faut débattre. Mais on ne peut pas, j'imagine, parce qu'on n'a pas les informations, parce que les gens, ils ont peur. Il y a une tonne de choses, Khoya Jamel, je pense que tu dois connaître ça, à mon avis, des gens à Alger qui ont des informations sur des pente du régime, ils savent, il s'est passé des choses, etc., enfin, toutes sortes de choses liées soit à la corruption, soit aux mœurs, soit à n'importe quoi, et bien personne ne peut en parler. Oh oui, je le sais, Samir, je le sais tellement bien. Absolument. Mais reste avec nous, reste. Zouhair Rouis, Samir vient de nous dire que, de suggérer que ça risque de cracher, comme il dit, à tout moment. Mais il semble dire aussi, même s'il ne l'a pas dit de façon directe, que les forces politiques, les partis notamment politiques, ne jouent pratiquement aucun rôle, à part se réunir, se rassembler de temps en temps, faire des petits communiqués par-ci, par-là. Mais sinon, par rapport à la gravité de la situation, parce qu'il y a vraiment péril en la demeure, le pays risque de disparaître. Le pays risque de se retrouver dans une guerre civile. Le pays risque de... excusez-moi de dire les choses comme ça, parce que le moment est venu d'appeler les choses par leur nom et de désigner les périls et les risques qui nous guettent. Qu'est-ce que vous pensez, vous, en tant que porte-parole d'un parti jeune, un parti dynamique, qui essaye de faire quelque chose, mais qui ne fait pas grand-chose, finalement, puisque la situation perdure? Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois qu'il ne faut pas rester sur une lecture vieillotte de la classe politique algérienne. Certes, tout ce qui a été dit là par Samir Chicha, que je salue d'ailleurs à cette occasion, certes est vrai concernant tout ce qui a été fait pour émietter la classe politique, l'opposition en tout cas, pas toute la classe politique, mais en tout cas l'opposition algérienne, tous ces coups bas qui lui ont été portés, l'infiltration, etc. Mais depuis l'année dernière, nous sommes dans une nouvelle configuration. Ça paraît peut-être long, mais ça ne date que d'il y a quelques mois. Donc il faut aussi donner la chance à cette classe politique, à cette opposition qui s'est réunie de manière inédite. C'est la première fois, ça ne s'est jamais produit dans l'histoire du pays. C'est la première fois où l'opposition algérienne, quelle que soit d'ailleurs son idéologie, quelles que soient les tendances qui la composent, s'est réunie, s'est mise d'accord sur une plateforme, sur un minimum, pour l'établissement d'un état de droit, pour les libertés, pour une transition démocratique. Donc elle avance à petits pas, peut-être, pour certains, mais c'est un grand pas qui a été réalisé par cette classe politique, et ça n'a été possible que parce que les uns et les autres se sont mis un peu au-dessus des idéologies, au-dessus de leur propre programme politique, pour finalement se consacrer à l'essentiel, et l'essentiel... Mais Zouhair Rouis, excusez-moi de vous interrompre, Zouhair Rouis, le problème qui se pose, je vous le disais un instant, c'est qu'il y a péril en la demeure. Quand votre maison est en feu, et que le feu risque de se propager à l'ensemble du quartier, vous n'allez pas faire une réunion de quartier pour voir s'il faut appeler les pompiers, s'il faut souffler sur le feu, s'il faut ramener des seaux d'eau. Le problème, on est là, nous en sommes là. Le pays risque très gros en ce moment même, pendant que les partis politiques font des réunions. Hier, j'ai reçu
un opposant politique, un membre du MAOL, le mouvement des Algériens officiers libres, d'habitude très calme, très placide. Hier, il s'est vraiment énervé. Il a dit, le moment n'est plus aux réunions, le moment est à l'action. Il faut occuper la rue, il faut sortir, il faut appeler le peuple à réagir de façon pacifique, mais il faut bouger. C'est fini les réunions. Or, aujourd'hui, ce que fait la CNLTD, même si c'est très méritoire, ce ne sont que des réunions, de la parlotte, mais aucun, pratiquement aucun contact réel avec la population qui, il faut le dire en passant, semble s'en foutre éperdument. C'est l'indifférence générale, c'est l'anesthésie et le coma. Donc voilà, la situation en est là. Oui, je ne partage pas, je ne pense pas que les gens qui se sont réunis à la salle Harcha, par milliers, et qui ont montré qu'ils étaient concernés, pas juste intéressés, mais concernés par la situation, qu'ils s'en foutaient complètement. Donc il y a eu des actions, il y en a encore, il y en a d'autres qui se tiennent, et il y en aura encore d'autres. Il y a deux possibilités, soit vous appelez à une révolution par la rue, et à ce moment-là, on peut se retrouver dans un scénario tel que nous l'avons connu, et je pense que celui-là, il ne serait ni responsable ni judicieux de le préconiser. Je pense que tout le monde voit de quoi je parle, de la décennie noire. Ou alors, vous mettez en place une force du changement organisée qui puisse canaliser les choses. Donc c'est cela que fait la CNSTD. Et évidemment, elle est sur le terrain. Je pense que vous couvrez, vous avez la lecture de la presse. Tous les membres de la CNSTD sont sur le terrain avec des réunions publiques où ils expliquent un peu l'ambition de la CNSTD et ils demandent à la population de soutenir notamment cette idée de transition démocratique. Donc c'est cela le travail, ce n'est pas tant de faire sortir les gens pour faire des manifestations, pour les manifestations ou pour aller vers des violences. Je pense que c'est pas ça qui sortira l'Algérie. Mais en Tunisie, Zoher Ouess, en Tunisie, le peuple tunisien est sorti dans la rue. Ils n'ont pas cassé une lampe, ils n'ont pas brisé une vitrine. Ça s'est passé pacifiquement. Ils ont renversé un régime policier d'une très rare nuisance, comme s'il n'avait jamais existé. Et aujourd'hui, ils vont vers la démocratie, vers une formidable démocratie, sans problème, il n'y a rien eu. Oui, sauf que nous n'avons pas suivi le même parcours, le même processus historique. C'est que la Tunisie n'a pas connu la décennie noire. C'est vrai, je vous l'accorde. Il y a eu 200 000 morts, ouais. Et qu'aujourd'hui, vous avez des Algériens qui sont effectivement sceptiques pour aller sortir dans la rue parce qu'ils ont vécu 10 années de violence et qu'ils n'ont pas envie que ça recommence, même s'ils ont un désir de changement qui est immense. Mais le régime en profite justement. Maintenant, il est en train d'agiter cet épouvantail. Il nous dit, attention, si vous me contestez, vous allez retourner aux années 90. Si vous me contestez, c'est la syrianisation, c'est la libyanisation. Et donc... La réponse, c'est la coordination nationale, c'est-à-dire que, justement, ils pouvaient peut-être le dire tant que l'opposition n'était pas organisée, qu'elle ne représentait pas une vraie force du changement organisée, et aujourd'hui, ça, ils pouvaient le faire tant que ça n'existait pas. Mais aujourd'hui, vous avez cette coordination et cette opposition qui est là en vraie alternative. Ça, nous ne l'avions pas avant, il n'y avait aucune alternative. Il y avait soit le régime, soit la violence, soit les extrêmes qui pouvaient s'exprimer et sur lesquels il a beaucoup joué, évidemment. Et en revanche, aujourd'hui, vous avez une vraie alternative qui s'organise, qui est encore jeune, je le répète encore, mais qui s'organise et qui peut prétendre réellement gérer la situation si jamais il devait advenir une situation de type le régime qui disparaît complètement ou s'effondre, parce que nous sommes finalement à la veille de l'effondrement de ce régime, hein. Tous les clignotants dont Samir a parlé tout à l'heure sont là, et l'enjeu, c'est vraiment de gérer cette situation et de ne pas laisser l'Algérie glisser vers l'abîme comme on a pu l'avoir dans les années 90. Zoher Ouess, merci beaucoup. En espérant vous retrouver bientôt parmi nous dans une autre émission. Merci. Alors, Samir Bellatesh.
Oui. Tu as écouté ce que nous dit Zoher Ruiz, que je remercie pour sa placidité, pour sa Très bien. vision. Mais sinon, toi, tu crois en cette démarche qui se veut presque à long terme ou à moyen terme, qui écarte la possibilité de recours à la rue? Oui, j'ai écouté l'intervention de Monsieur Ruiz, que je salue aussi, et puis que j'encourage lui-même et puis tous les jeunes qui nous écoutent, si je peux yani le dire spontanément. Moi, j'encourage tous les jeunes qui s'intéressent au sujet Algérie, à la politique, à la situation du pays, etc., à se mobiliser et à essayer de faire quelque chose et à rester vigilants sur la situation. Du coup, moi, j'encourage tous les jeunes à y aller. Je ne dis pas attention des jeunes de Jin Jadid ou là, même des autres partis politiques, y compris les partis que je n'aime pas du tout. Moi, je leur dis, c'est bien que vous restez mobilisés pour votre pays. Et vaut mieux ça que l'inverse, c'est-à-dire un peu la majorité des Algériens qu'on a un peu éloigné de la politique avec des méthodes entre guillemets diaboliques. Donc c'est bien qu'il y ait des gens qui se mobilisent, qui prennent les choses en main, même si on n'est pas d'accord avec eux, il faut les encourager. Par ailleurs, je ne sais pas si c'est-à-dire le changement par la rue, etc. Je ne sais pas. Je pense qu'il faudra des conditions pour qu'on soit là. Malheureusement, ce qui risque de se passer, le risque est très gros, c'est d'avoir des émeutes qui vont se généraliser d'une manière brusque, spontanée et puis violente, sans aucun objectif politique, etc., pour les raisons qu'on disait tout à l'heure. On a dépolitisé toute la situation, on a bloqué tous les verrous, tous les leviers, on les a cassés, on les a bloqués, etc. Il faut s'attendre au pire dans ce genre de situation. Les choses sont rationnelles, c'est-à-dire on peut toujours espérer, mais bon, la réalité, elle va nous rattraper très vite. Ensuite, pour le changement, je pense, à mon humble avis, et je n'ai aucune leçon à donner à personne, chacun il essaie de faire dans son coin ce qu'il peut faire. Mais à mon avis, il faut retourner vers le peuple. C'est vrai que les conditions sont très difficiles, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais il faut retourner vers le peuple. C'est quoi yani retourner vers le peuple? Il s'agit pas, à mon avis, hein, il s'agit pas d'appeler les gens à sortir dans la rue et aller affronter les CRS, etc., ou l'armée, c'est autre chose. Il s'agit d'être aux côtés des Algériens qui souffrent. Il y a énormément d'Algériens qui souffrent. Et cette classe politique, y compris notre ami qui dit qu'elle est nouvelle, etc., celle-là, y compris celle-là, on ne les retrouve pas là où les Algériens ont mal. Sur Vous avez ce, Samir, je compris? suis obligé de t'interrompre malheureusement. Nous avons largement dépassé le temps qui nous est imparti. Merci d'avoir été avec nous, mes deux invités. À demain, j'espère, et salam alaikum.